Salut, c'est MathiasLol83. Aujourd'hui, je vous parle pour une nouvelle vidéo pour comment trouver un manoir des bois dans Minecraft. Alors, c'est pas si simple. Vous allez créer un monde. Vous allez le mettre en créatif. Je vous conseille pas en ligne. Vous allez faire créer un monde. Donc alors, vous allez prendre l'œuf du villageois. Il est là. Donc vous allez placer, ça c'est un nid du village. Vous allez placer des œufs jusqu'à ce que vous trouverez un cartographe. Alors c'est blanc. Faire attention à ne pas confondre avec une bibliothécaire. C'est le même habit. Il y a tout sauf un cartographe. Ah. Non, ça c'est un bibliothécaire. Et... non plus. Ça va, on a un bibliothécaire. Ah. Donc je dois en tuer puisque voilà. Ah, il y a des lamas. Sinon, la meilleure tactique, c'est de trouver un village. Ah, que des bibliothécaires. Il y a que des bibliothécaires. Ah ben tiens, regardez. Tenez, regardez. Vous avez votre manoir. Donc, alors moi, c'était pas comme d'habitude. Alors, vous devez trouver un bibliothécaire. Il vous fait changer plein de trucs jusqu'à une carte exploration des bois. Vous avez toute une grande zone à explorer. Et à un moment, vous tomberez sur le manoir. Donc, nous allons explorer ce manoir. Où est-ce qu'elle est l'entrée principale? Ah, là, voilà. Donc, on va faire la petite visite. Là, il y a un squelette. Vous pouvez trouver des petites salles sombres comme ça. Ça doit être une forgerie. Ça, qu'est-ce que c'est ça?
Ah ouais, une salle à coffre. C'est encore plus dur qu'à trouver un temple. Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez avoir des sculptures de ça, c'est un. Je pense que c'est un vindicateur. Donc c'est pas très facile de trouver un manoir. Vous pouvez y mettre longtemps. Moi, par chance, j'ai trouvé ça. Donc il y a deux méthodes. Il y a une salle de coffre. Par contre, c'est bourré d'ennemis. Vous avez des vindicateurs. Ou des défenseurs. Donc, invocateurs. Vous avez des fléaux. Alors, les invocateurs, c'est ça. Ils ont un petit truc. Là, une toge comme un prêtre. Ils ont au moins un peu les sourcils comme Fillon. Après, il y a eux, là. Ils ont encore les sourcils. C'est des défenseurs. Ils sont équipés d'une hache. Il y a les fléaux. Eux, ils volent. Par contre, c'est des monstres assez pénibles à tuer. Voilà, vous avez un peu comme vous. C'est pas comme le manoir de Batman. C'est beaucoup plus de monstres. Et je trouve qu'on peut s'y perdre. On visitera le prochain étage après. Là, il y a encore ça, là. C'est assez bizarre. Là, vous deux, ça doit être un dortoir. Voilà, encore un dortoir. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, le prochain étage. Ou des sculptures de canards, de villageois, de chats même. Plein de trucs. Ça, c'est une salle de réunion, sûrement. Où est-ce qu'elle est l'autre? L'autre escalier. Ah, il est là. Voilà le chat. Là, c'est une chambre. Là, c'est quoi? Je croyais que ça allait être des toilettes. Mais au final, c'est un placard. Une salle encore. Et il y a même des manoirs qui ont même des prisons. Hier, j'en ai visité un avec une prison. Donc voilà, c'est tout. C'est comment trouver un manoir. C'est pas si simple que ça. Et abonnez-vous à ma chaîne, ça me fera un grand plaisir.